Yo! Yo YouTube, nouveau jeu Yakuza Island, comme ça fait 15 ans qu'on doit le faire, il est sorti en mai, il est sorti le même jour que Moonlighter. Très gros jeu, apparemment pas très long, mais très bon jeu, donc on va le faire. On doit le faire, le finir avec Unworthy avant de faire le défi Kaizo Mario 2 pour les 500 subs. Du coup ça y est, c'est ce soir qu'on va le commencer après une soirée de challenge sur Isaac. C'est parti pour Yakuza Island Express. Alors, commencer une partie, non, on va aller dans les options d'abord, évidemment, plein écran, oui, tous les jours. 1080p, qualité des textures normales, volume des effets sonores, puissance des vibrations. Ah oui, j'aime pas du tout les vibrations dans les jeux, donc je vais les enlever en fait. Langue, crédit, ok. Commençons une partie. Oh, il est trop mimi! On contrôle donc un bousier. Est-ce qu'on peut nager? J'ai pas de bouton pour nager. La plage de Mokumana. Tu es l'agent de la poste veillé pour me remplacer, hein? Je me réjouis de te rencontrer. Il se passe quelque chose d'inquiétant ici, je préfère partir. Avant cela, j'ai une première mission pour toi. Mon vieux badge de postier. Apporte-le à Nîmes, l'interprète au village. L'Iceland Express est ta responsabilité à présent. Veille à ce que Nîmes reçoive le badge ou tu auras des problèmes. Et voilà, je te dis au revoir, bonne chance et prends bien soin de l'Iceland Express. Vous avez obtenu le vieux badge de postier, vous devez l'apporter à Nîmes l'interprète. J'ai l'impression que le son est quand même assez fort encore. Donc je vais le baisser. Je crois que j'ai fait de la merde dans une cinématique. Apporter le badge de postier à Nîmes au village. Il te le jette à la gueule comme une vieille merde. Tiens, connard! Attends, il faut que je change le titre. Oh là là, mais je suis... Putain, je suis le pire. Yakuza Island. Test. On va juste écrire test. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça y est. Et du coup, ça y est, c'est le flipper. Et donc... Ah, c'est incroyable. Putain, c'est tellement la base, quoi. On se déplace dans l'environnement grâce à... Putain. Et du coup, il y a des passages secrets et tout. Je pense qu'il y a des passages secrets. Mais oui, mais c'est infini, putain. Bon, je ferai peut-être pas le 100%. Le principal, c'est de faire l'histoire. Vous avez trouvé un oisillon. La chance sourit à ceux qui en récoltent beaucoup. Oh, les bumpers. Oh, merde. Non! Le déplacement va être full frustrant, en fait. On peut pas sauter pour l'instant. Hein. J'ai pas de... Ah, il y a des saves. Ok, donc ça, faut le débloquer avec des fruits. Allô? Où crois-tu aller, comme ça? C'était toi, ma partie. Si tu veux le traverser, il y a un prix à payer. Vois-tu, je convoite quelque chose qui pousse sur les falaises au-dessus. Les champignons, des criques juteux. J'en ai l'eau à la bouche rien que d'en parler. Trouve-moi un gros et je te laisserai traverser mon étang. Ah oui, donc ça y est, c'est déjà Metroidvania, c'est tu dois aller là, mais en fait, on doit aller là d'abord, quoi. Allons trouver des champignons. Du coup, là, pour 30 fruits, je peux payer les... D'accord. Et du coup, hop. Putain, c'est génial. C'est génial. Non! Oh, j'ai chié. Oh, j'ai chié, man. Hop, et là. Oh, mais c'est infini. Oh, j'ai trop bon. C'est trop stylé en vrai. Si je fais ça, je peux repartir? Ah ouais, non. Genre là, on peut pas... Ok, on peut pas tryhard ça. Level design a l'air tellement bien fait. Clairement, c'est trop drôle en vrai. C'est tellement stylé. Quelqu'un qui dort. Ok. On file des fruitas là. Vous avez le sifflet, ça ne vaut pas une corne de postier mais ça fera l'affaire. Appuyez sur A pour souffler dedans et attirer l'attention. Ah merde. Quel enfer! Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aime qu'il y a des champignons ici.
C'est l'endroit idéal pour ça, il faut faire très attention, les champignons VD2 poussent à proximité des champignons des criques. Une seule bouchée suffit à endormir un gourmand pendant des jours. Si tu veux vraiment cueillir des champignons, je te recommande d'aller sur les falaises du flanc est. C'est là qu'on trouve les champignons les plus juteux. Quel brasseur celui-là? Ce voice acting me tue. Un flipper Metroidvania, c'est ça. C'est exactement ça. Pourquoi ce voice acting te tue? Il est pas si immonde mon voice acting, on en a déjà parlé. Ah, putain, ça c'est cool as fuck. On peut voir toute la map. La langue de belle-mère, pas de grand-mère. Bon, j'avoue que s'il va falloir utiliser ça toutes les deux secondes, c'est peut-être un défaut du jeu. Le bruit. Pour l'instant, il n'y a pas trop de musique. C'est très contemplatif. Si je vais là, il se passe quoi? Oh, l'erreur. L'erreur du joueur. Pan. 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 Allez, bim. Putain, mais l'idée est tellement géniale, quoi. L'idée est géniale, en vrai. C'est beaucoup trop stylé, quoi. Non. Non! Putain, mais comment je vais l'avoir, lui? Lui, je vais jamais l'avoir. Il est kéblo, le fruit, là. Putain, sa mère, là. Oh, c'est bon, je l'ai eu. Je le veux! Parfait. Et du coup, est-ce que je peux tomber? Si je tombe, c'est la merde? Non, je peux repartir, ok. Easy peasy. Trop stylé. Là, faut payer avec des fruits. C'est pas mal comme système, ça aussi. Hein. Et hop. Et là, on peut se barrer. Ok, d'accord. Le jeu est clairement beau. Hein. Le jeu est très joli. Le manque de musique est étrange. Ouais, je sais pas trop pourquoi, mais ça viendra peut-être. C'est peut-être fait exprès pour le début du jeu, j'en sais rien. Mais j'avoue que c'est curieux. Ah mais attendez, les fruits là, oh là là. Ah c'est chaud. Putain, faire un truc full fruit, ça doit être compliqué parce que... Il n'y a pas vraiment de pénalité à tomber. En plus, il y a une durée pour les fruits. Ah, c'est dur. Oh, c'était quoi ça? Ok, on enlève du jus là ou je sais pas quoi. Vas-y, retombe dans le trou, s'il te plaît. Oh, l'erreur. C'est pas un problème d'option. Bah, je sais pas, il y a des gens qui l'ont fait et vous aviez de la musique ou... Vous aimez de la musique? Non, vous voyez, je pense que ça viendra après. C'est peut-être parce que c'est le tuto, hein. Faut croire ça. Ok. Vous avez obtenu un champion des criques juteux. Quel délice. Vous avez obtenu un champion vénéneux. Quiconque le mange tombera dans les pommes pendant un long moment. Je peux pas sauter, là? Putain, j'ai pas de saut. Quel enfer. Tu peux emporter que 100 max. Ah oui, c'est vrai. Donc les fruits, en fait, c'est pas... Y a pas de notion de collectionnite pour les fruits, en fait. Bon, barrons-nous. Non, c'est pas là qu'on manne. Vous pensez que j'aurais le choix entre empoisonner le serpent et tout? Putain, je suis trop nul. Il y a trop... ce jeu a l'air vraiment trop bien. Hein. C'est la idée. Il y avait peut-être un raccourci pour repartir plus facilement. J'ai dû le louper, je pense. Tombe. Le gameplay est tellement bien foutu, quoi. Tellement une idée de génie. Ça marche tellement bien, ça répond tellement bien. Oula. Moi, je veux me casser. Comment je me casse? Ah, il est comme ça. Tout simplement.
Y a pas une arnaque comme quoi je saute là, hop. Non. Yo. Quelle est cette délicieuse odeur? Serait-ce un champignon des criques? Donne-le moi et je te laisserai passer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui donne le champlard ou est-ce qu'on lui donne le champignon vénéneux? Est-ce qu'on est des gros bâtards? C'est la vraie question. Moi, j'aurais bien donné le champignon vénéneux, hein, à mort. Mais ça se trouve, c'est un gentil, hein. Vénéneux direct, soyons gentils. Ah, vénéneux direct. Bah, ce champignon des criques avait un goût bizarre. Oh, je suis tellement un bâtard, j'aurais tellement pas dû faire ça. Oh, je m'en veux tellement. Enfin, vite fait, quoi, mais... Faut être gentil dans la vie. Il est mignon, il a une petite fleur sur le nez. Bon, il est mort. C'est mort, il est... Fait-on ça ensemble? Ah, je l'ai décédé. Ah, je l'ai tellement tué. Je sais pas si je m'en veux vraiment. Je pense que je m'en veux un peu, quand même. Il va revenir le karma dans la gueule, 100%. Ah, peut-être, hein. Peut-être qu'on va se faire chier dessus, du coup, à cause de ça. Hein. Ça fait quoi, ça, déjà? Ces drôles de racines apporteraient chance à ceux qui les trouvent. Ok, il y a des puzzles. Je suis ma moto, le con. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était grave? Fallait pas faire ça? Des choix moraux dans un jeu de flipper du jamais vu. Quest failed. Non, moi je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Ça paraît logique. Ça me semble un honnête choix. T'as des coffres partout, je peux pas en avoir un seul, quoi. Le karma, c'est qu'on aura zéro musique tout le long du jeu. Je trouve ça curieux, ça se trouve, j'ai un bug, en fait. J'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui ont fait le jeu, ici, qui pourraient me confirmer qu'il n'y a pas de musique au début. Ça se trouve, il n'y a pas de musique dans le jeu. Ça me paraît très bizarre. Qu'est-ce que ça file, les coffres? Vous avez obtenu une amélioration de portefeuille. Vous pouvez maintenant transporter 150 fruits. Ah, nice. Bonjour. Oui, salut, Scarabée. Donne-nous un coup de main. T'es poule dessus, on t'envahit notre nid. Aide-nous à nous en débarrasser. Toi, une belle récompense en échange. Une boule de suie. Les bandes de cons. En fait, c'est un serpent musicien qui t'aurait joué de la musique pendant le jeu. Tu devrais lancer 99 flores en fond, comme ça t'auras de la musique. C'est pour pouvoir se délecter de ce superbe sifflet. Ce serait bizarre qu'il n'y ait pas de musique, sachant que t'as une option pour régler le volume de la zik. Y'a moins que l'autre voulait pas te laisser passer, même si tu lui donnais le bon champi. Ah ouais, ça se trouve. Oh, ça aurait été bâtard quand même. Le pentagramme. Non! Au secours. On peut aller dans l'eau? Ah non, c'est chaud. L'eau, on aime pas trop encore. Ça fait quoi quand je prends des dommages? J'ai pas compris. Je crois que ça fait pas plaisir, hein. Je crois que la prise de dommages, c'est pas le plaisir. Attends, mais comment je vais aller là, moi? Nice. Je sais pas comment j'ai fait, mais... Je sais pas comment j'ai fait. De toute façon, c'est comme ça le flipper, c'est comme ça que ça marche le mieux. Hein. Ah, je perds des fruits! Ah, les bâtards! Putain, j'aurais dû faire tilt. C'est trop chaud, ça. Nice. Bâtard. Allez, ça dégage la boule dessus. Il y a bien une musique normalement. Donc normalement il y a une musique là. What?
Ça se trouve, en fait, je suis en train de tout louper. Je suis en train de louper toute l'ambiance du jeu, parce que j'ai pas... Non, mais c'est sûr, je suis en train de louper toute l'ambiance du jeu, parce que j'ai pas de musique, ça n'a pas de sens. Il y a aussi un volume de la musique. Pourquoi j'ai pas de musique? Teste un restart, au pire. Ouais, mais il me faut une save pour ça. Il me faut une save. Super! Merci de nous avoir débarrassé des boules de suie! Ce n'est plus notre problème à présent! Et Mas Fritas. Ça dérange pas nos musiques? Ouais, mais moi ça me dérange pas spécialement non plus, mais j'ai revu que le jeu était pensé pour avoir de la musique. Mais ça c'est bizarre. Attends, je vais taper Yoku's Island Bug No Music. Yoku's Island Bug No Music. Putain, mais personne n'a eu un bug sans musique en fait. No sound peut-être. Je vais aller sur les discussions de Steam. No music. This game is amazing. Putain, great music. Tout le monde dit great music et tout. Et moi j'en ai pas. Je vais être le seul connard au monde à avoir un problème où j'ai pas la musique du jeu en fait. Des co-reco au pire. Bah là j'ai fermé le jeu hein. Je sais pas comment j'ai fait, mais je crois que j'ai fermé le jeu. T'as une clé chinoise. Mais non! A game by Villa Gorilla. Peut-être que tout le monde te troll. Ah là, j'ai de la musique. Ah! Donc c'était bien un bug. Bonjour. Ah, enfin! Ça faisait un bail que j'attendais qu'on me sorte de cet endroit putride. Je m'appelle Relaxi, je découvre cette contrée, je te suis redevable pour ton aide. C'est quoi? Je vais retenir ces épines pour que tu accèdes à la tour. C'est le seul moyen d'atteindre le village. Merci beaucoup, machine. Ah oui, comme ça je peux passer. Merci. Ah bah non. Qu'est-ce qu'il y a, brasse? Cette musique de porno, quoi. Ah! Cette musique full porn. Bam, 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 bam. T'as merci de m'aider, hein. Ok, cool. Petit raccourci. Eh, on fait une sacrée équipe! Je pense que je vais rester ici un peu plus longtemps et rendre service à Ella. Relaxi vous a rejoint. Relaxi apparaîtra maintenant aléatoirement dans les bulles et bloquera les trous d'épines. Ouais, elle est gentille, quoi. On entend pas la musique? Oh, si, vous entendez bien un truc. Bah, le volume de la musique est un peu le même. J'ai essayé d'équilibrer un peu. Ok. ...80 fruitas. Les bâtards. Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mes fruitos! Ok. Pas mal ça. Ok. T'es faut retourner là-bas du coup. J'ai l'impression de pas avoir tout débloqué. J'ai l'impression qu'il cache des trucs là. Y a des machins sur lesquels faut tirer et tout. Ah, ça m'a sauvé la vie. Ok, je vois. Bon, peut-être que je dis de la merde en fait.
disait sûrement de la merde. Cette reprise de volée. Oh la vache, putain, oh mais c'est tellement haut. Les plantes, c'est des saves, du coup sûrement pas de save auto. Bah ouais, c'est pour ça, moi j'ai préféré trouver une plante, il y avait écrit que ça sauvait et tout, ça sauvegardait. Donc. Plus safe. Bah tu vois là, on a une save par exemple. Et j'ai 80 plantes, du coup les 80 plantes, elles me permettent de quoi de... C'est un... Je pense que c'est juste un vieux passage... Hein ? À quoi ça sert, OMG ? Il y aura sûrement un truc pour les pour interagir avec les plantes parce que là je comprends pas. J'ai juste l'impression de m'être fait enculer en fait. Allô ? Oh merde, masse fruit. Ah voilà, là j'ai tout eu là. Oh, quel génie. Ok. Oh mais attendez, mais il y avait trop de trucs en fait ici. What the fuck? En fait, à chaque flipper, il y a des milliards de possibilités, quoi. Super concept, en tout cas. Ouais, le concept est trop stylé. Reste à voir comment ça va... À ce qui paraît, le jeu est pas si long, de toute façon. Mais pour l'instant, ça a l'air assez fat. Il y a plusieurs... Oh merde! What did I do? Non. Au secours. Oui, oh oui, oh oui, oh le combo là. Ce combo. On y retourne. Combo. J'aime trop ce jeu, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Les lumières, c'est comme dans Pinball, un coup de flipper, ça switch, c'est allumé, il faut allumer tout en général. C'est ça. Hein. C'est exactement ça. Les pics d'ivoire. Alors là, je pense que c'est pas par ici qu'il faut aller. J'ai bien peur que le chemin pour les pics d'ivoire soit fermé. Quelqu'un a traversé le pont et a laissé en morceaux. J'essaie de le réparer. J'irai plus vite avec ma boîte à outils. Et je l'ai laissé dans la nouvelle maison de Redry. Redry vit dans l'énorme champignon dans la partie haute du village. Rapporte-moi ma boîte à outils et je pourrai réparer le pont. Putain, y'a masquette, OMG. Des bisous à ceux qui sont bons. Hop. Allez hop, on peut porter 200 fruits. Ah, roule! Est-ce que vous pensez que c'est jouable? Ah non, c'est fait exprès, putain, les salauds! Ah, il en faut 10! Bonjour. Mais serait-ce un badge de postier que je vois? Tu dois être la nouvelle recrue du bureau de poste. Je suis Nîmes l'interprète, ma tâche consiste à guider les habitants de l'île de Mokumana. Et je te serrerai bien la main, mais Célia m'en empêche. Une chance que tu sois là. Le dé ici d'attaquer Mokuma. Mokuma est l'essence de l'île. Si Mokuma disparaît, alors tout sera perdu. Pendant l'attaque de ce matin, Mokuma a été marqué par le déicide. Tout est arrivé si vite, je n'ai vu qu'une forme floue au croc et aux dents jaunes. La marque dégage une énergie malfaisante et semble drainer les forces de l'ancien. Je sais que tu viens tout juste d'arriver, mais c'est urgent, il faut que tu t'y rendes tout de suite. Conserve bien le badge de postier, tu en auras besoin pour les tâches officielles. Ces lettres doivent être livrées aux trois chefs de Mokumana. Il sera peut-être difficile de leur faire accepter ces convocations, mais cette tâche est très importante. Leur puissance sera nécessaire pour briser ce sceau malfaisant et sauver Mokuma. Les chefs vivent partout sur l'île. Tu devrais commencer avec Spina, sur la colline aux essences. Tu peux t'y rendre en traversant la grande cascade. Ah oui, d'accord, ok. La map toujours plus grande. Ok. Pic d'ivoire.
colline aux essences. Ok. Mukuma, c'est je t'ulu ou pas? Clairement. Bureau de poste, Island Express. Bonjour. Taboul est complètement démodé. J'aimerais pouvoir t'aider, mais Mukuma est si contrarié que je n'ai même pas pu recharger mes décorateurs. Si tu croises des babioles décoratives, rapporte-les-moi, s'il te plaît. En échange, j'essaierai d'améliorer ta misérable boule. Ce style en ivoire est un classique, mais bien trop basique. N'oublie pas de m'apporter toutes les babioles décoratives que tu trouves. Ah, mais j'aimerais bien pouvoir aller dans l'eau, moi, mais je ne peux pas. Ok. Joe le perroquet, on peut lui parler ou comment ça se passe? On peut te dire quelque chose, toi, ou... Ah, oui. Bienvenue dans ton nouveau bureau. Tu as un nouveau message, veux-tu écouter? Tu enregistres, d'accord? Je m'appelle Posterodactyl, si tu entends ce message, tu dois être le nouvel agent de poste. Félicitations pour ton nouveau travail chez Iceland Express. Le bureau n'est pas très bien rangé, ne prends pas mal, j'ai juste perdu ma motivation, tu comprends? Ton travail est assez simple, j'ai confié un sac de courrier au perroquet. Si tu croises des boîtes aux lettres vides, fais-en quelques-unes à l'intérieur pour t'assurer que le courrier circule bien et compagnie, d'accord? Super! Voilà, c'est tout. Je compte sur toi pour veiller sur le bon vieil Island Express. Comment est-ce qu'on éteint ce truc? Fin du message. Okay. Vous avez obtenu le sac de courrier, appuyez sur A pour mettre du courrier dans les boîtes aux lettres vides. Bonsoir, ça vaut bien passer que tu subisses l'objet principal du jeu. Ah, ça, là! Ouais, on s'y fait. On s'y fait, je pense. Allez, on bourre. Ah oui, on bourre, ça donne des fruits, quoi. Cette voix de perroquet. Bon, c'était quand même un perroquet, je suis désolé, il y avait quelque chose. Il y avait du perroquet, quand même, non? On peut pas... Mickey bourré. Ouais, il y avait du Mickey bourré, hein, un petit peu, quand même. Ça, je... Pas vous mentir, il y avait du Mickey bourré. Hein. 80. Moi, j'aime bien, moi. Faut bourrer... Ah merde, non. La vue est magnifique. Savais-tu que l'entrée de la colline aux essences se trouvait de l'autre côté de la cascade? Un peu plus bas, on trouve la vieille route menant aux grottes des inférieurs. Ça ne semble pas être loin vu d'ici, mais ça l'est. Vas-y, fais voir. De l'autre côté de la cascade. Ok, donc... Oh, putain, la vache. Putain, mais il y a des trucs partout. C'est stylé. Putain, le 100% il doit être un peu infini, quand même. Enfin, pour le genre de jeu vendu, le 100% doit être assez vénère, hein. Oh, super. Ah, le raccourci à 30 boules, vraiment, je suis content. Hein. Non, mais je vais pas y aller déjà. On va visiter un peu le village. Enfin, à moins que j'ai tout visité, mais ça m'étonnerait. On n'est pas allé par là. Voilà. On n'a pas tout visité. Il y a quelque chose à dire, l'ancien, là? Oula. Le pire facteur du monde. À la recherche de réponses aux grandes chutes. Ok. Putain, j'aurais bien volé ces trucs. On peut pas. Attendez, mais comment j'ai fait pour grimper? Ah oui, ok. Merci Panda Perro pour 3 mois. Du coup, oui, merci beaucoup Monsieur Sapin pour 5 mois. Hein. Je sais pas si j'ai attesté, mais merci. Des bisous. Et merci Panda Perro pour tes 3 mois. Et du coup... Moi et ton badge vert, GG Wellplay. Ah oui, il me faut 80 boules. Ah, il me faut 80 fruitas, pardon. Il faut des fruitas. Bon, bah, c'est parti. Hein. S'il faut des fruitas, on va en chercher. Hein. Merci Panda Perro pour le prime. Ça passe là? Oh, ça sent le getting over it. La déception. Bon, pour l'instant, je peux nager, mais je ne peux pas plonger. J'étais en train d'étudier quand quelqu'un a jeté une malle du haut des chutes. Elle a échoué ici, alors je l'ai ouverte pour voir ce qu'elle contenait. Mais un lapin du soleil s'est enfui avec, avant que j'aie le temps de voir. Saloperie de lapin du soleil, hein. Ça a toujours été des cons, ceux-là. Hein. Toujours dit, moi.
Je suis déjà parti sur des quêtes secondaires, hein, évidemment. Non, je ferai pas le 100% into direct quête secondaire. Toute l'histoire de ma vie de jeu vidéo, quoi. Tous mes problèmes. Bon, après, apparemment, vu que j'ai pas la nage, ici, on va pas pouvoir faire grand-chose, quoi. Enculé! T'as la petite musique d'intrigue scénaristique pornographique. C'est très particulier. Hein. Incroyable. Les mécaniques sont présentes. Attends, what? Oh, c'est un raccourci, non? Putain, mais où je suis sa mère? Ah oui, si, ok. Ok, d'accord. C'est juste super grand, en fait. Mais il y a trop de trucs. Non! Oh, ma vie! Oh, ma vie que j'ai fait nimp. Oh, fais chier. Putain, mais c'est quand même super grand, le monde. Coucou. Ah, it's not alive. Comment vas-tu? On est en train de jouer à un jeu qui, je pense, te plairait beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas si t'aimes le flipper ou quoi, mais je pense que ce jeu, qui est très contemplatif et très cool à faire, te plairait. C'est tout bête. C'est un Metroidvania flipper. Tu feras pas le 100%, mais tu fais le speedrun, du coup. En vrai, le 100%, ça dépend s'il est vraiment chiant au niveau de la collectionnite, mais pour l'instant, ça part plutôt bien comme jeu. Hein. C'est vraiment très intéressant. Mon F-Versus ne marche plus, quelqu'un pourrait m'aider. Non, je détestais. Tu détestais le flipper? Ah oui, bah du coup, ça te plaira peut-être pas. Les limaces sont instables en cas de chaleur. Une simple pression et... Badaboum! Je suis le jardinier aux limaces. Ravi de faire ta connaissance, car mais, les limaces deviennent un véritable problème. Je m'en chargerai bien, mais... Putain, mais j'ai déjà 50 quêtes à faire. Tous mes outils pour contrôler les limaces sont dans mon abri de jardin. Ils se trouvent dans la prairie, mais la route est couverte de limaces. Ouais, bah allons l'aider lui, hein, parce que les limaces, ça sent la casse-couille. Si l'envie te prend, j'ai les limaces, tu peux emprunter mes outils. Veille juste à faire éclater une limace ou deux en te rendant à la prairie. Ah, mais c'est infini en fait. Ah, oui, non, mais là, à mon avis, c'est pour aller à l'autre. Le 100% est pas trop compliqué, t'inquiète. Après, en fait, c'est pas du flipper super conventionnel, c'est-à-dire que. En gros, y a pas de. Y a pas, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de gros, de grosses pénalités si on fait de la merde. Et surtout, en fait, c'est très dirigiste, c'est-à-dire que on arrive très vite. Si on doit prendre une rambarde, en gros, c'est des triggers. Tu passes le stade de, en gros, voilà. S'il y avait une rampe là sur la gauche, bah là, à droite du truc, bah je la passe pas, et à gauche du truc, je la passe. Et y a pas vraiment d'entre-deux, quoi. On n'a pas 80. On n'a pas 80. Putain, mais j'ai tellement pas de thunes. Quoi. Hop. On va essayer de récupérer un peu des thunes. Ah, mais non, mais ici, on a tout. Non, mais on va faire le jardin en limaces, en fait. Allez, c'est parti. Allô? Du coup, si je fais ça, avec de la chance, ça passe pas? Ouais, si je fais genre... Attendez, j'ai compris un truc. J'ai compris une mécanique de gameplay qu'un développeur a voulu me faire comprendre. Je l'ai compris tout seul, en plus. Personne n'a eu besoin de me backciter. J'ai compris un truc de génie. Putain, ce jeu me rappelle que plus tard, j'aurai un flipper, quoi. Est-ce qu'il y a des gros joueurs de flipper sur ce chat? Genre des gens qui regardaient, par exemple, Lethal Frag jouer au flipper? Balancez vos flippers préférés dans le chat. Ou évidemment dans la vidéo YouTube, hein, on n'oublie pas que c'est très important. N'hésite pas dans les commentaires à me parler de ton flipper préféré que tu avais joué dans cette fameuse salle d'arcade à Saint-Aubin-sur-Mer. Le jeu flipper à 10 bouts d'Halloween. Mais putain, mais oui! Est-ce que t'en parles parce que j'en ai parlé récemment? Ou est-ce que t'en parles parce que tu le connais, le flipper d'Adibou? T'es tellement incroyable, ce flipper.
Le meilleur flipper. Non, non. Né. Ok, j'y retourne. Pokémon, pinball. Non, mais moi je vous parle de vrais flippers, hein, les flippers physiques. J'avais un flipper sur Windows 95. Fais gaffe, tu as contracté une MV8. J'en parle parce que tu en as parlé 4 fois à l'anecdote du cousin. Mais oui, putain. Oh, on a tellement joué. Mais je veux pas, elle est là. Je fais de la merde. Le casse-brique à 10 bouts, super. Oh, putain, c'est vrai que le casse-brique était stylé aussi. Attendez, on peut pas le casser ça? Il y a peut-être un truc à faire, on va dire. Je viens de voir le pinball de Windows quand t'as plus de connexion, Kappa. Ah, le pinball de Windows, il est clairement craqué. Hein. Il l'a toujours été. Hein. Putain, je chie. Putain, faut en mettre 5. Mes fruitas! Oh, je chie, putain. Mes fruits. Pinball collection 2, le jeu. Chez mes grands-parents, il y avait un pinball chapeau melon, bottes de cuir, je l'avais archi-torché. Le Flintstone, la famille pierre à feu, il est incroyable. Si vous avez envie de faire un flipper incroyable un jour, le Flintstone, il est vraiment incroyable. Mon cousin, il avait le Judge Dredd aussi. Enfin, c'était son père qui l'avait, mais du coup, on n'arrêtait pas de se faire des soirées. Bière, flipper, Judge Dredd, il était trop cool, le Judge Dredd. Moi, je rêve d'en avoir un avec des rampes partout et tout. Hein. Non, mais j'avais compris une mécanique de game. Je suis deg. Mais attendez, mais je comprends pas les limaces, là. Attendez, je vais comprendre. Je vais comprendre. Je veux comprendre. Regardez, je fais ça. Et là, en sortie, je fais ça. Ça marche pas. Famille Adams. Le Famille Adams, c'est reconnu comme très bon. Apparemment. Bon bah cassons-nous vers... puisque j'y arrive pas. Puisque je suis une grosse merde, hein, c'est ça que vous voulez me faire dire. C'est cher ces conneries, ça demande beaucoup d'entretien. Le vrai problème, c'est l'entretien. Sinon, mis à part ça, c'est pas si relou. Enfin, c'est cher un flipper, mais ça vaut son argent. Le vrai problème, c'est que ça mérite, ça demande de l'entretien. Et pour l'entretien, c'est relou. Parce que si tu te retrouves à devoir payer des pièces tout le temps, déjà, faut savoir le bricoler soi-même, sinon c'est mort, hein. Sinon c'est trop chiant. Mais ça va quoi, si t'es un peu bricoleur et que t'as un peu de chance quand même que ton flipper il est pas tout le temps pété toutes les deux frames, enfin qu'il y a pas toujours une connerie électronique qui marche plus, normalement c'est ok quoi. Mais comment je fais pour ça? Ah ok, faut allumer la bonne borne. Ah c'est chaud. Genre là je l'ai. Quel génie. Tout ça pour un ananas quoi. Tout ça pour un ananas, j'ai envie de dire. Ah, et par contre, c'est craqué. J'ai eu tellement de fruits, là. Oh mon dieu, il me faut des trucs à 80. J'avais des trucs à 80 partout. Je préfère avoir une borne d'arcade à ce prix. Ouais, c'est deux choses très différentes, mais... Je peux comprendre. Oh, je vais être bloqué, je vais avoir trop de fruits. Je suis deg. Je le sais déjà. C'était pas un gros bourrin de la life aussi. Bah tu peux ne pas avoir de chance après. Parce que le gros problème c'est que les flippers évidemment tu les achètes bien souvent d'occasion. Et ils peuvent avoir des problèmes de pièces. Parce que bien souvent c'est peut-être pas toi qui a fait le gros bourrin dessus. Mais c'est peut-être des gens avant toi quoi. Vous avez obtenu la spirolimace. Maintenez LT ou RT près d'une limace pour l'aspirer. Très bien.
On a débloqué quelque chose. C'est LT ou RT ? Attends, c'est quoi ? Ok. Après, si t'as de la chance d'acheter un flipper neuf, je sais vraiment pas comment ça se passe. L'achat de flipper neuf, je sais pas comment ça se passe. Ça n'a pas marché, ça, monsieur. Mais attends, mais c'est quelle touche que je dois appuyer, bordel de merde ? C'est quelle touche sur laquelle je dois appuyer ? Ok. Ah ! J'ai compris. Non. Le Revenge from Mars. Bah la borne d'arcade, non, si tu la modes, c'est moins répétitif. Une borne d'arcade modée, tu te fais plaisir, quoi. T'as tous les jeux. Bon, c'est un poil interdit, je crois, mais... Tellement full film porno par contre la musique hein. Ah par contre quand t'as déjà bouffé un connard, t'es baisé un peu. Ah mais attendez, j'aurais pu manger. Ah attendez, je pense qu'il y a un truc à faire. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. Je pense qu'il y a un coup à jouer. Mettons que je fasse ça. Non pas ça. Genre tu mets un émulateur dessus. C'est ça. Y'a un coup à jouer, y'a un coup à jouer. Mettons que je me mine le cul. Ça n'a absolument pas marché. Mais bon, il y avait de l'idée. La borne du bar à Bordeaux, elle avait pas masse jeu, chi. Si, si. Bah c'est une borne modée, évidemment. De toute façon, en vrai, avoir une borne d'arcade avec un seul jeu dessus, ça vaut vraiment pas le coup. Hein. À moins que ce soit genre une borne d'arcade, je sais pas, SF5 par exemple, où là c'est stylé quoi, mais. Une borne d'arcade, jeu de combat, avec un seul jeu de combat dessus, pourquoi pas, mais. En parlant de connard, j'ai pas eu la provision. Colis Alex du Québec. Ah oui, j'avoue. Mais le problème, c'est que c'est un personnage de YouTube, donc c'est plus compliqué. Je suis pas trop pour utiliser des personnes qui existent, moi. Et du coup, là, normalement, c'est bon. Pan. Non, mes fruitas! Oh là, je me fais enculer dans tous les sens. J'en peux plus. Allô? Ok. Non. Pan. Mais c'est trop bizarre les machins à activer là, ça marche bizarrement. Oh là 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 là. Il existe pas Reguman? Si si, il existe Reguman. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ouais, là par exemple, j'ai débloqué plein de fruits, je sais pas trop pourquoi. Ça, pour l'instant, j'ai pas dû exactement comprendre comment ça marchait. Mais du coup, avoir plein de fruits, ça sert à rien, je suis trop con. Non ! Avoir plein de fruits ne sert à rien, putain. Attends, on est déjà sur un niveau avancé, hein. Merde. Ok, je l'ai eu. Bon. Ah, j'ai pu... j'en ai tué un. Voilà, du coup, j'ai plein de fruits, mais qui servent à rien, quoi. Dommage. J'ai pas dû comprendre encore comment faire des transitions de spin.
Enfin, de transition de bar en bar. Est-ce qu'on peut faire... Ah oui, on peut faire ça. Ah, et du coup, en fait, c'est gratos. Genre, si t'as pas envie de faire celui-là, tu vas là, comme ça, et hop. C'est la bonne strat, ça. Et on a réussi à passer. La plupart des gens n'osent pas s'occuper des limaces. C'est différent pour nous autres pourfendeurs des limaces. Nous représentons le rempart entre les limaces et la civilisation. Oh, d'ailleurs, si tu recherches à te rendre au village, je te conseille de rester à gauche après le grand singe et de gravir la tour. Ok, mais le village, on y est déjà allé. Ah, parce que ça, en fait, on aurait dû y aller avant, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que ça, on aurait dû y aller avant. Des fois, ça marche pas. Quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien bité, putain. J'ai rien compris. Y'a mind game. J'ai rien compris. Étrange. No spoil. Bah oui, no spoil, évidemment. Mais j'ai rien compris. Putain, je veux récupérer le bordel, là. C'est peut-être le nombre de fois où je suis mort, non? C'est le nombre de fois où je suis tombé, enfin, où je suis tombé dans un trou, peut-être. Putain, j'avais du mal à le choper, celui-là, hein. Non. Bon, j'ai 200 fruits, faut absolument que je les utilise. Sinon, c'est n'importe quoi. Oh merde. Ah, attendez. Est-ce que vous pensez que j'ai le temps d'avoir une limace et de revenir jusque là-bas? Ça fait loin, quand même, hein. Ça fait loin, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Bon, il faut que je me casse. Ouais, non, c'est mort. J'y arriverai jamais. Putain, je fais que de rebondir. Allez, je tente. Roule. Marcel, roule. Bilal, moule. Ahmed, montez dans la voiture. Oh putain, GG, well played. Quel génie. Du coup, j'ai pas vu combien j'en avais. Mais je suis passé par là déjà, moi, une fois ou pas? Une fois? Je crois, hein. Oui, on le voit le truc de 80 là-haut. Ta-da-da. Ah, mais là, j'ai pas le pouvoir pour passer, putain. Donnez-moi le Discord, please. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Si la grotte est passée de 9 à 10, c'est logique. Bah, perso, non, j'ai pas compris, hein. Putain, c'est cool, on peut remonter au village sans forcer. Putain, on est déjà venu ici. Je sais plus. Non, mais je vais pas aller dans la cascade, c'est une connerie, ça. Connerman. Ah, du coup, il y a vraiment l'aspect Metroidvania qui est bien présent. Hein. C'est stylé, putain. Du coup, là, si je fais ça, je peux... Mais j'aimerais revenir au village, moi, en fait. Au village, sans prétention, j'avais mauvaise réputation, quoi. Comment j'ai fait? Je sais plus. Je sais plus d'où je viens. D'où je viens. Je ne sais plus d'où je viens. Je vais montrer de beaux flippers dans le channel Flipper. Il n'y a pas de channel Flipper.
Tu peux nous donner tes meilleurs flippers ici et j'irai les voir. Donne-moi les noms. La carte ne t'aide pas. Ah merde, il y a une carte, c'est vrai. Mais je sais plus, mec. Je sais plus comment je suis pas... Ah, putain, mais je suis trop con man, quoi. Trop merci pour la carte. Bon, c'est pas trop du backseat, ça. C'est moi qui pue des pieds comme ça, là? Ça pue des pieds. Putain, j'étais trop con man là-dessus. Non, c'est comme ça. Hop. Ok, c'est là-haut. Ça a l'air quand même bien galère de livrer le courrier dans ce pays. Ah bah c'est là, oui, c'est le pire. Hein. Putain, j'ai pile 80, c'est cool. Oh non. Bonjour. Cette boîte à outils appartient à Sandro, le réparateur de l'île. Nous autres fongoïdes sommes traités comme des citoyens de seconde classe ici. Vois-tu au-delà de ce préjudice infondé ? Ah ! Silence ! Excellent ! Prouve-le en nous aidant. Nous cherchons à planter nos sports à l'endroit idéal. Nous pensons que les falaises au-dessus de Mokuma feront l'affaire. Tiens, prends ces sports, tu auras une récompense quand tu auras affecté eux, quand tu les auras plantés là-haut. Ah, les bâtards ! Ah, c'est pour m'utiliser et bon gré mal gré pour arriver aux fins, ça. Hein. Oh, j'ai plus de fruits. Oh non, j'ai plus de fruits, sa mère. Cet endroit est génial, on a une superbe vue sur tout le village d'ici. Mais c'est pas ce que nous cherchons. Nous avons besoin d'humidité, vois-tu. Je te prie d'implanter quelques spores dans les bois plus bas, dans un endroit humide où nous pourrons admirer d'impressionnantes statues. Ok, les bâtards. Ils sont tellement en train de m'utiliser bon gré mal gré pour arriver à leur fin, ça m'énerve. Qu'est-ce qui va se passer, là? Oh, je suis deg. J'en ai pas 10 de ça encore. Est-ce qu'il y a une autre paire de pieds chez toi? Non. Mais ça pue des pieds. Donc c'est moi qui pue des pieds. J'englobe un peu. Hein. C'est très relax comme jeu. Hein. Heureusement qu'il y a des petits jeux comme ça. Hein. C'est mon combienième ? Oh, c'est que mon 8ème aussi, c'est pour ça. On est loin des 10. Et du coup, on a la boîte de réparation, mais le réparateur, c'était le mec qui était là ou pas? Voyons ce qu'on peut faire avec cette boule. Ah non, en fait, c'est pas lui le réparateur. Lui, c'est un connard. Des bisous, Théozen. Ok, on avait continué par là. On reprend le Toyo. Le Toyo Yost! Palumpum. Musique. Un film porno. Non. Non. Né. Hop. Non, quel bâtard. Ok, cette fois on va aller... Attendez, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Le bois du gorille, grand singe. On m'avait dit que si on continuait... Ah merde, 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 il fallait des thunes pour passer ici. Ici aussi, il en fallait genre 80, non? Je suis trop con. Je suis vraiment trop con. C'était là que je voulais aller. C'était là. Ah putain, c'était là. Et du coup, là, j'ai plus de fruitas, mais genre zéro, quoi. Oh merde. Aller par là, ça fait quoi? Non, par là, on a pratiquement plus rien à récupérer, c'est mort. Par ici, c'est mort. Bah tant pis, hein. Allons chercher des fruits en haut. On peut aller chercher des fruits en haut. Enfin, si on arrive à repartir, c'est ça le problème après. Hein. Faut pouvoir repartir, quoi.
Le lapin qui aurait pris le trésor. Ah oui, il y avait une histoire de lapin qui avait pris un trésor, ça. Je vais dire Shishayu. C'est pas grave, on est habitué. Depuis le temps. Tombé du ciel! Ah mais je peux rien branler ici en fait. Ah ouais, donc dans tous les cas, il faut que je rassemble 80 fruits en fait. Faut que je me démerde pour rassembler 80 fruitas. Bon, on va aller chercher par là. Ah oui, non, on peut aller par là aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'on a, on a la colline aux essences. Enfin, si je peux avoir 80 fruits, je reviens en arrière. Il est vraiment stylé, ce jeu. Hein. Il est vraiment stylé. Ces boules de suie, on t'en après moi. Bande de cons. Laissez les lapins tranquilles. Pouette, 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 pouette. Salut, par ici. J'aurais eu à me soigner de si j'ai le temps. Je suis dans une situation délicate. Très bien. Qui en a fait tourner un. Tourner les serviettes. Il est dans une situation délicate, le pauvre. Ok, là, il y a un truc cool. Le jeu me fait avancer à boîtier un point and click. Ça te fait penser à un point and click, toi. Putain, avec la speed, je pensais que ça passerait, mais pas du tout, en fait. Je sais pas, 80. Putain, ici aussi, il faut 80. C'est fermé. Non. Incroyable. Tra le joueur. Tellement bon. Oui, on parle pas trop de ce genre de choses, Sneakerman. C'est pas les délires ici. Entre ça et Yoshi. Bah, y a vraiment un côté aussi. Bah, Metroidvania, la Blind Forest, enfin, la Ori, quoi. Très bien. Non, merde, j'aurais dû le prendre, je suis con. Pourtant, je suis de ton avis. Ah, le pire. Non. Oh, je ne voulais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on a juste supprimé ton message et t'es reback sur le chat. Ok, mais alors comment je me démerde là? Comment j'ai fait la première fois pour aller. Pour retourner en haut? Comment j'ai fait? Pourquoi ça cuit pas ça? Ça cuit pas? Pourquoi ça cuit pas? Attends, on va prendre de la vitesse. Ouais, parfait. Hop. Ah, j'ai perdu la musique par contre. Hein. Encore une fois, j'ai perdu la musique. Il y a vraiment full bug de musique ou comment ça se passe dans ce jeu? Je pense pas que ce soit normal que j'ai pas de musique là. Ah, c'est revenu. Le sous sombre. On va apprendre à nager ici, on va rien comprendre. Allez, salut. Ok, on va d'abord passer par en dessous. Ah non, on va pas passer par en dessous.
Oh putain, il a l'air compliqué celui-là. Hein. T'es, y a masse truc à faire, OMG. Il faut bien faire gaffe à ça, en fait. Ah, parfait. Je sais pas à quoi ça a servi de l'allumer, mais... on l'a allumé. Hein. Je crois que ça a servi à rien, malheureusement. Nice. Ok. Un stream Ludum Dare, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Ça ne me dit rien. Hop. Je pense qu'il y a un truc à débloquer là. Tellement la bonne strat, ça. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Sinon, j'essaie d'aller là, déjà. Connard. Non! C'est un jam de développement. Ah, je vois. Putain, je suis deg. C'est ça, masse truc. Non! Du diarrhée. Connard. Oh oui, j'y suis pas allé encore là. Si. Oui, mais ça sert à rien en fait. Il m'en manque un. Putain, mais qu'est-ce qui me manque? Et maintenant je peux y aller, j'y retourne. Un stream où tu testes les 10-20 derniers gagnants, c'est collector. Pense aux flippers normaux pour faire bouger les lumières. Ah merde, j'avais pas vu les lumières. Non mais en fait c'est que je les avais même pas vues en fait, les lumières là-bas. Je les avais pas vues, celle de droite. My bad. Ça, je risquais pas de trouver. Hein. Enfin, sans déconner, je risquais vraiment pas de trouver. Hein. Voilà. J'ai pas vu qu'il y avait une lumière ici, donc je comprenais même pas ce qui se passait, en fait. Ok, donc maintenant, c'est bon. Putain, les petites énigmes, hein. C'est un peu un boss en quelque sorte. Mais toutes les musiques sont boule sexe dans le jeu, hein, c'est incroyable. Toutes les musiques sont full sexe quoi. Connard man. Il y avait un peu les mêmes en rouge à gauche et à droite des gâchettes du bas. Oui bah on a le droit d'être con. Ok, il faut que j'aille là. Oh, je suis con.
Ça coûte combien ce jeu? Je sais pas, 15 euros par là, non? Allez, mine-toi, mine-toi. Mine-toi. Mine-toi le cul. Très bien, donc j'ai un raccourci. Là, le coffre, je peux pas le prendre. Petite save. Ok, nice. Un truc encore plus grand, cool. Les inférieurs ont scellé l'entrée de leur village. J'ai vu d'étranges lumières passer par les fentes. Je me demande ce qu'ils cachent à l'intérieur. Si tu veux vraiment entrer, tu peux utiliser l'entrée de l'ancien temple. Mais ces parties de la grotte sont inondées, donc il sera difficile d'entrer. Ok, je vais peut-être apprendre à nager. Tu as refait 99 flores, un peu. Mais pas trop, non, j'ai pas tryhard. Les poissons plongeurs sont les meilleurs. Le mien me laisse plonger aussi profond que je veux. Si tu comptes explorer les bassins, alors un poisson plongeur devra t'apprendre à plonger. J'ai trouvé le mien dans le bassin caché de la colline aux essences. L'entrée est cachée dans le sous-sol de l'ancienne église des moines de l'espace. Très bien, donc là, faut que je backtrack jusque là-bas. Pour... Ok. Pour aller chercher un poisson. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Des bisous, hein. C'est trop stylé. Ouais, clairement, j'ai trouvé le tunnel. Hein. Oh merde! Ça me ramène là? J'ai réussi, je sais pas comment ça marche, mais j'ai réussi. Je suis content. On peut porter 250 fruits. Je suis vraiment étonné par la qualité du jeu. Hop. C'est incroyable ça. Ah, c'est chaque canon, en fait, peut être... Peut-être ça, c'est un truc qui permet de se déplacer rapidement entre les mondes, c'est stylé. Voilà, et du coup, là, on arrive directement à la colline aux essences grâce à ça. Et à chaque fois, on peut tomber. Mauvaise idée. Oh, c'était la mauvaise idée, ça. La meilleure musique du jeu, c'est donc la musique du fast traveling, quoi. Pouet. Bienvenue dans quoi? Dans la ruche, le foyer des célèbres aspects. Je suis le gardien de la piligne. Bienvenue dans la colonie de la piligne. Un jour, chacune de ces abeilles quittera la colonie pour rejoindre la piligne. Je ne sais pas pourquoi, mais les abeilles adorent cette musique. Cela les met de super humeur. Il y a de la musique en permanence dans la piligne pour guider les abeilles. Bah, elle adore la musique parce qu'elle est trop bien, en fait. Trop stylé. Putain, il va y avoir des araignées dans ce jeu, je vais pas kiffer.
Je vais clairement pas kiffer. Et voilà, et du coup, on a déjà accès à une zone un peu reculée, quoi. En fait, on arrive par la droite, du coup. Salut, Scarabée, la chasse aux oignons est toujours sur les choses. Et il se trouve que je dispose de cet élément qui permet de trouver tous les oignons dans la colline aux essences. Veux-tu m'acheter le pistolet d'oignons de charge 300 fruits, va bien te faire foutre. Eh bien, c'est vraiment pas de bol, je t'ai pris pour un acheteur. Connard. J'ai une tête de pigeon, moi, peut-être. Hein, j'ai une tête à acheter un jeu de société à 150$, moi. Je veux dire, comment tu as pu t'infiltrer, mais tu ferais mieux de m'expliquer ce que tu fais sur le territoire du gang du crâne. Hein? Un colis pour Spina? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Spina est notre chef. Mais tu n'as pas de chance, vois-tu, les bassins de la colline aux essences entrent en ébullition. Notre chef est au dessous bouillonnant pour essayer de régler le problème avant que l'on finisse tous à point. Notre chef nous a dit d'attendre ses ordres, mais nous n'avons rien reçu depuis. Tu sais quoi? Si tu en as dans le ventre, va donc retrouver Spina au dessous bouillonnant. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Tu pourras lui donner ta lettre et lui prêter main forte. Tiens, voici la clé. Tu trouveras le portail du dessous, sous notre repère. Impossible de le rater. Très bien, merci. Non, j'ai pas fait Limbo. Où crois-tu aller comme ça? C'est réservé au crâne, alors dégage. Quel gros bâtard. Non, le pack à 777$, je l'aurais pris exclusivement s'il était possible de que tout le monde ait la carte Reguman, mais c'est pas le cas. On aurait fait un donation goal. Ta-da-da-da. Comment tu fais pour rentrer? Bon, j'ai fait mon boulot, donc peu importe. Pas de rancœur concernant la petite chute, hein. Ah ouais, en fait, je suis pas. En fait, j'aurais pu rentrer d'une autre façon dans ce village. C'est stylé, en fait. C'est vraiment stylé. Il y a plusieurs façons d'appréhender les endroits et tout. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais ici? Seuls les membres du gang du crâne peuvent entrer dans le repère. Tu ferais mieux de déguerpir avant de t'attirer des ennuis. Moi, je m'en bats les couilles, hein. La file commence ici et on ne dépasse pas. C'est quoi? C'est les plaisirs charnels par là ou comment ça se passe? C'est 177$, tu peux créer la carte. Enfin, en gros, t'auras une carte dédicacée, sauf qu'elle est que pour toi, donc ça n'a pas de sens. Osef, quoi, clairement. Enfin, ça vaut pas le coup, quoi. Black Milan fait la carte pour toi, c'est-à-dire tu lui donnes un peu le design que tu voudrais, et lui, il la dessine et il a design pour toi. Tu dis le graphique que tu voudrais, et lui, il trouve un moyen de te faire ça. Sauf que, du coup, c'est lui qui design la carte pour ses effets, et en plus de ça, bah, en gros, tu n'as... Elle est que pour toi, quoi. Mais elle est dédicacée, donc bon, c'est deux trucs qui se valent, quoi. En ce moment, moi, ça vaut clairement pas le coup. Même pour une carte bubble. Mais non, parce que y aurait que moi qui l'ai, en fait. Donc ça vaut pas le coup. Toi, même moi, la carte Reguman, ça aurait pu être stylé si tout le monde l'avait à la fin, tu vois. C'est pas le cas. Ou alors, ça se trouve, j'aurais jamais pu rentrer. Ah! Je sais ce qui se serait passé. Bonjour, agent de la poste, coco! Continue à remplir ces boîtes aux lettres, tu as déjà rempli 10 sur les 30 que compte l'île. Oh, je faisais un peu de ménage dans l'île express pour toi, et j'ai trouvé quelques colis en retard qu'il faut livrer. Tu vas devoir t'en occuper toi-même, coco. Les colis en retard sont sur la table chez Island Express. Après, parce qu'en fait, mon avis, ce qui se serait passé là, c'est que lui, j'aurais dit bonjour, il m'aurait fait vaniquer ta mère, je serais tombé, du coup, son merci pour la chute, et dans tous les cas, j'aurais dû peut-être rentrer par l'autre côté, en fait. À mon avis. À mon avis, c'est ça qui allait se passer. Putain, c'est grand par ici aussi, hein. OMG. Putain, j'ai réussi à aller dans l'eau. Quel génie.
Repère du gang du crâne, accès interdit. Non. Putain, j'ai failli être vénère. Accès interdit, mon sbi, quoi. McMahon dit lui-même qu'il prendrait le pack à 35$, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Après, il a dit aussi dans son live, évidemment, si vous êtes intéressé par les stuffs en plus, prenez-le là, parce que vous les aurez pas plus tard, quoi. Et il a pris un exemple d'un autre jeu, bah Kingdom Death d'ailleurs. Il a dit lui, il a regretté de ne pas avoir pris les stuffs en plus de Kingdom Death sur le Kickstarter, parce qu'après il a pas pu les trouver pour pas cher, il a dû les chercher en occasion. Mais il a dit évidemment, si vous êtes pas intéressé par ce genre de truc, prenez 35 balles. Ça, les accès à la piligne, c'est censé être le mode de transport le plus rapide de l'île, mais elle n'est pas active. Il doit y avoir un moyen de l'activer au repère, du moins si tu parviens à convaincre le gang du crâne de te laisser entrer. Ses membres n'aiment pas les inconnus, personnellement j'aime pas avoir affaire à eux, ils me font peur. Quelle bande de bâtards! Ok. Très bien. C'est un petit monde ouvert, bah c'est un Metroidvania quoi, genre c'est comme ça que ça se passe dans les Metroidvania. C'est semi-ouvert quoi. Il y a une maison là. Ah oui, l'église, il y avait un truc dans l'église caché en dessous, on m'avait dit. On m'avait dit qu'il y avait quelque chose. Parti au Pic d'Ivoire au nom de la science, les moines de l'espace. Les moines de l'espace. Les fameux moines de l'espace, quoi. Ah oui, lui, il fallait l'aider. C'est vrai. Mais je ne peux pas l'aider. Ah si. On dirait une connerie d'AMV, les moines de l'espace, mais clairement. Oh, j'ai tellement le sentiment de m'être fait enculer. Enfin, genre, c'est pareil. Oh non! Oh, puis là, j'ai pas les thunes! Oh non! Fait chier, putain! Bon, ça va, c'est à côté, mais putain, fait chier, quoi. J'étais tellement déçu. Une heure et demie, on va peut-être pas tarder. Hein. Lucas, c'est clairement la bonne surprise, Yoku Island, qui finalement est meilleur que Moonlighter et tous les jeux qui sont sortis en même temps. Bah, Runner 3, non, mais. Enfin, Runner 3 et Yoku's Island, quoi, finalement. Sur le fameux mois de mai des bons jeux indés, bah, finalement, c'est ceux-là les meilleurs, avec Unworthy aussi. Enfin, bref, quoi. Bien joué, Moonlighter. Hein. Bien joué. Bon, Wizard of Legend, on attendait pas grand chose non plus, sachant qu'il n'y a pas eu beaucoup de thunes sur Kickstarter non plus et que le jeu va continuer à avoir des matchs. Donc, Wizard of Legend, cool. Pour l'instant. On a trouvé le truc caché, les amis, mais on va d'abord. Les Twittos. On va trouver un truc caché, les Twittos. Mais d'abord. Ça. C'est un dé cette connerie. Là ce qu'on est en train de faire, ouais c'est un dé. Hein. Mais non. Il y a aussi le nouveau DLC Darkest Dungeon mais qui est pas si ouf en fait. Ouais, mais après moi Darkest Dungeon j'ai jamais fait une partie en entier, etc. Un jour peut-être, mais j'ai jamais eu le courage. Oh oui, 300 fritas, oui. Je dis oui. Donc par là, non. On va aller dans les dessous de l'église. Je pense qu'on se fait vite fait la quête de l'église. Et on sauvegarde genre au repère et on arrêtera là, je pense.
je pense que ce sera très bien comme ça. Pour une première partie. Et là, c'est la pire quête. Ah, il faudrait qu'on aille donner les 10 oignons aux vieux. C'est tellement beau. Enfin, ça a tellement genre un style. Un bon style. Merde ! Ma tribu l'a abandonné au cours de sa quête de science, et puis, quelques temps après, les falaises lumineuses sont arrêtées de venir. Sans les falaises lumineuses, les poissons plongeurs ne pouvaient plus se nourrir et ils sont morts de faim. C'est le dernier. Il est tellement petit, je doute qu'il ne puisse jamais apprendre à quelqu'un à plonger. J'ai recherché les falaises lumineuses sur leur lieu de reproduction, à gauche du bassin, mais je n'ai vu que de vieux cocons vides. Ma tribu me dégoûte. Oula, oula, oula. Découvrir où sont passées les falaises. Putain, mais il y a des quêtes partout. Je suis pas sûr que Darkest Dungeon, c'était un gros DLC ou pas. Il était payant, hein, le nouveau DLC de Darkest Dungeon. Avant, cette grotte était remplie de falaises lumineuses, mais elles ont toutes disparu. Un moine de l'espace rachitique venait ici pour s'occuper d'elles. Mais le moine n'a jamais été suffisamment motivé pour escalader les parois glissantes. Je me demande ce qu'il y a là-haut. On va aller voir. Hein. Oh putain, on a pile 80, c'est beau. Le moine rachitique. Ok. Retournement du bassin caché. Les failles lumineuses sont de retour, c'est grâce à toi? Oui, c'est grâce à moi, y'a que moi qui fais des trucs là-dedans, cet univers. Du Lovecraft, d'accord. Parler de qui là? Y'a tellement de falaises. Ah, mais il est où? Y'a tellement de falaises lumineuses, je peux pas toutes les manger. Est-ce toi qui as fait ça, Scarabée? Le moine de l'espace est parti, je crois bien que mon camarade ne reviendra pas. Ramener des falaises était son rêve depuis toujours. Je t'en prie, laisse-moi te prouver ma reconnaissance en t'apprenant à plonger. Vous avez obtenu le poisson plongeur, appuyé plusieurs fois sur A pour plonger en nageant. Incroyable! Oh, le gameplay s'en retrouve décuplé, quoi. Parle de Macmillan. On suit pas un compte d'info, on suit une personne, donc on voit plus facilement ses défauts. Et c'est quoi les défauts que vous voulez trouver en ce moment? C'est vrai qu'à tweeter une fois par jour, authentiser, c'est l'impression qu'ils donnent beaucoup d'importance. Après, c'est peut-être une impression. Bon, c'est aussi pour faire marcher le Kickstarter, hein. Tout simplement. Après, oui, je pense pas spécialement qu'ils se prennent pour de la merde non plus, mais... Jamais, je sais pas. Moi, je trouve que c'est surtout la commu qu'il y a derrière qui l'idolâtre un peu trop. Mais lui-même cherchait à s'idolâtrer, je sais pas. On a eu quoi, là? Un tétard visqueux de poisson plongeur. Burke, mais les tétards ne deviennent pas des poissons aussi. Des bisous, Solinder. Il lui suce le derrière. Ah oui, c'est ça, les tétards. Okay. Parce qu'en fait, il croyait qu'il était tôt. Alors qu'il était tard. Ça servait à rien d'aller là? CF, nos streamers favoris. Vous trouvez que les streamers, on boulard? Je sais pas. Le bassin de reproduction des tétards. Ah là, ils vont me demander N tétards, normalement. Allô? Allô? Blague illégale. J'allais écrire la blague dans le chat MDR. Oui, y'a rien d'illégal.
Ah, donc j'ai appris à plonger, mais en fait, je peux rien faire. Du coup, il faut que je me casse. Et voilà. Sauf que maintenant, en fait, j'ai l'eau, quoi. Putain, stylé, ça. Celui qui aime pas les cheese-brasses. Ah oui, lui par contre, pour le coup, il se prend pas pour de la merde, je trouve, dans ses streams. Enfin, vu comment, des fois, il prend son chat pour de la merde, je trouve que, ouais. Mais ne lançons pas de débat. Connard man. Allô? Ok. Mais que se passe-t-il? Il faut enlever l'eau là, c'est pas possible. Il y avait une interaction avec le bassin. Bon bah maintenant que tout le monde l'a dit, écoutez, on va y aller hein. Voilà. Voilà. Finalement. Et là, vous allez me dire, putain, tu te prends quand même pas pour de la merde, hein. L'église des moines de l'espace. Putain, j'en reviens toujours pas, les moines de l'espace qui sont en fait des grenouilles, quoi. Des crapauds, pour être plus précis. Ah, il y avait une interaction, là. Mais encore. Bassin de reproduction des têtards. Écoute, on va en ramasser 2-3 encore. Pour voir si ça fait quelque chose. I'm not convinced. Il fallait peut-être juste tous les ramasser en fait. Merci, vous amenez les petits poissons, les petits poissons. Voici cadeau de moi à vous. Merci. Et paf, la tortue. Attention, le déicide déguisé parmi vous, Myrthe peut le sentir. Si t'avais joué à Warhammer ou Warhammer 40k, les grenouilles sont des moines de l'espace, ça t'étonnerait pas. Ah mais j'ai pas joué. Bon allez, on va rendre les 10 machins. Bon, j'y jouerai bien toute la nuit, hein, mais demain j'ai stage. Et en ce moment, comme je fais rien au stage, il serait peut-être temps que je me bouge le cul. Parce que quand ce sera terminé, et que je vais avoir zéro et pas mon diplôme, bah, ce sera de votre faute. Alors du coup on va juste aller chercher les... On peut remonter par là? Oui. On va aller chercher les 10... on va aller déposer les 10 machins. Et sauvegarder du coup. Je sais combien j'ai 50 fruitas. C'est pas beaucoup 50 fruitas. La tortue de l'histoire sans fin. Atréju! Lisez l'histoire sans fin, s'il vous plaît. C'est tellement le best bouquin, quoi. Je sens que je vais être déçu de tout ce backtrack. Ce backtrack va me décevoir, je le sens. Qu'est-ce qu'il a, Coco? Ah, il fallait qu'on vienne chercher les colis aussi, c'est vrai. Attendez, mais quoi? Je peux pas tous les avoir en même temps, les colis? Ah, c'est un par un, quoi.
Ok. Que le courrier arrive toujours et que le vent soit toujours en faveur du postier suprême. Prendre le badge du postier suprême, oui. Oh, mais les pattes, ce badge est destiné au postier suprême. Tu dois d'abord terminer toutes les tâches avant de pouvoir prétendre à ce titre. Te revoilà, agent de la poste. Les colis en retard sont sur la table. Très bien. Papa, papa, papa. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, les mystères et boules de gomme. Incroyable. Bon, on va le 100%, je pense. Go devenir doubleur, t'as de l'avenir. On me l'a toujours dit. Hein. On me l'a toujours dit. Putain, c'est vrai qu'on peut pas. Bon, je save. Et je save et on s'en va. C'est Dofus 100%. Stylé, tous ces trucs annexes. Ouais, à ce qui paraît, le jeu est pas très long, même en 100%. Mais les trucs annexes font que ça donne quand même clairement envie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais le jeu bug en plus. En fait, le jeu bug quand je fais du plein écran, into machin. Du coup, on va simplement l'éteindre. Allez, revenir sur le bureau. Bref, c'est super. Hein. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment super. Je suis dit, j'accroche direct. J'accroche au jeu. Ça pourrait être que des enchaînements. En fait, là, vous voyez, là, ça fait peut-être... ça fait peut-être une petite demi-heure de jeu, quand même, où on n'a pas eu tant de flipper que ça. C'était vraiment beaucoup d'aventures aussi, du machin. Donc, je suis totalement pour. Ils sont pas tombés dans le piège de faire que du flipper, des enchaînements un peu en mode, ouais, on va faire du Metroidvania, on va mettre un flipper là, et entre les deux, tu fais ça. Ils ont quand même rajouté pas mal de choses intéressantes. Par exemple, le gameplay sous l'eau, c'est pas du gameplay flipper, et même s'il est pas extraordinaire, bah au moins il tombe pas dans le piège de faire que du flipper. Donc c'est cool. On va host le French Roast Stream comme d'habitude cette semaine. On va raid, hein, comme vous voulez, balancer un petit message. Je sais pas c'est quoi le jeu qui tourne actuellement. Mais du coup, merci à tous pour les subs, pour les resubs, pour les follow, comme d'habitude, à la modération. Aux gens qui regardent, je vous fais des gros bisous, les vidéos arrivent sur YouTube du coup. On risque de se retrouver dimanche soir, parce que moi, comme d'habitude, je prends le week-end pour aller à Paris. Et on continuera ça, on continuera Isaac des runs normales. On fera des challenges dans la semaine prochaine aussi, mais je pense qu'on fera challenge une fois par semaine. Mais là, du coup, dimanche, on reprendra avec du Isaac normal. Into, ça, sûrement. Je fais des gros bisous, et je vous dis... À très bientôt. Merci. Voici le message. Une fois là-bas, une seule fois, ce sera très cool. Gros bisous, merci. Bonne nuit.